Question de Patricia maintenant, qui s'interroge, serait-il possible d'harmoniser les jours et horaires des médiathèques? Ils sont peu intuitifs et varient selon les jours, la période et même le lieu. Alors déjà, les horaires des ouvertures des médiathèques, on les trouve sur le site internet et les choses sont parfaitement claires. Alors effectivement, les publics ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, on a la journée continue sur le samedi à la médiathèque d'Épernay parce qu'il y a beaucoup plus de monde en centre-ville, ce qui n'est pas le cas forcément à la médiathèque Daniel Rondeau. Et donc on est bien obligé de tenir compte des périodes de fréquentation qui ne sont pas forcément les mêmes dans les deux médiathèques. Si on avait les mêmes horaires d'ouverture alors que les fréquentations ne sont pas les mêmes, on aurait évidemment des temps d'ouverture où il y aurait très peu de monde, ce qui évidemment engendre des coûts et ne répond pas à l'attente des personnes qui souhaitent se rendre dans les médiathèques. Donc on a fait en sorte de décaler et d'avoir des horaires différenciés, tout simplement parce que les publics ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes, et que le service public se doit de s'adapter aux attentes des personnes qui fréquentent les équipements.